وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ Serviteur d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme guidé et miséricorde pour l'humanité. Quand il fut envoyé à Mecca, peu de gens ont accepté son message et se sont pliés au message du tawhid, à l'adoration d'Allah unique, sans associé. La majorité des gens l'ont combattu, lui ont nui, l'ont insulté, ont cherché à le tuer, à lui faire du mal, moralement et physiquement. Ses suiveurs, à ce moment-là, n'étaient que très peu. Et ils étaient étrangers, bizarres par rapport au reste de la société. Car ils appelaient à un chemin contradictoire au chemin et à la voie sur laquelle était le reste de la société dans laquelle il vivait. Donc l'islam, comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, dans le hadith rapporté par l'imam muslim, l'islam a commencé étrange et il redeviendra étrange comme il a commencé étrange alors que le paradis soit dû aux étrangers. Il a été dit, qui sont-ils, ô messager d'Allah ? Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des gens pieux dans un peuple corrompu nombreux. Ceux qui leur désobéissent sont plus nombreux que ceux qui leur obéissent. Dans une autre version, ce sont ceux qui rétablissent ou qui corrigent ce que les gens ont corrompu de ma tradition. De ma sunna. Serviteur d'Allah, nous voyons dans ce hadith et dans d'autres hadiths authentiques que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a annoncé un fait inéluctable qui va arriver quoi qu'il en soit. Et il a dirigé et indiqué la manière de se comporter dans le moment où cette situation va toucher les musulmans. Quel est ce fait ? C'est que les musulmans, à la fin des temps, vont être des étrangers. De la même manière que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'islam étaient étrangers à la Mecque et contradictoires à la société dans laquelle ils vivaient. Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a annoncé la bonne nouvelle à ces gens-là. Que le paradis soit dû aux étrangers. Effectivement, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi, ce hadith qui a été authentifié par l'imam al-Albani, rahimahumullahu jami'a, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il va venir une époque pour les gens où celui qui patiente sur sa religion est comme celui qui tient une braise brûlante dans sa main. Et effectivement, aujourd'hui, nous voyons comment le musulman qui s'attache à l'islam authentique, à l'islam originel, à l'islam avec lequel Allah Ta'ala a envoyé son messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car il n'y a pas d'autre islam. Il n'y a pas un islam de tel ou un islam de tel. Il n'y a que l'islam authentique, celui qu'Allah a agréé pour l'humanité. Et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. L'islam sur lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé, non pas ce qu'ils ont appelé l'islam et qui a été falsifié et dénaturé. Donc ceux qui veulent être sur cette voie, la voie sur laquelle Allah veut l'humanité, la voie qu'Allah a agréée pour toutes ses créatures, hommes et djinns, ils seront vus comme des étrangers, comme des gens bizarres, comme des gens contradictoires au chemin que la majorité des hommes prennent. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a informé qu'à la fin des temps, ces personnes-là seront comme des étrangers. L'étranger qui n'y reconnaît personne et que personne ne reconnaît, qui se trouve différent des autres et que les autres trouvent
différent d'eux. Voilà l'état et voilà la situation du bon croyant vers la fin des temps. Mais sachez, serviteur d'Allah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué la manière de se comporter. Celui qui patiente sur sa religion. Car appliquer la religion nécessite de la patience. L'obéissance d'Allah est un acte qui, dans lequel il y a une certaine difficulté, mais surmontable. Jamais Allah n'a imposé une chose à ses créatures qui est au-dessus de leur capacité. Tout ce qu'Allah a imposé, c'est surmontable. C'est possible pour tout le monde, car Allah ne charge pas une âme au-dessus de ce qu'elle est capable de supporter. Tout ce qu'Allah a imposé à l'humanité, ils sont capables de le faire. Sinon, Allah ne l'aurait pas imposé. Et c'est lui qui connaît mieux ceux qu'il a créés. Subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il ne connaît pas ceux qu'il a créés? Et c'est lui, Latiful Khabir, subhanahu wa ta'ala. Donc, ça demande une patience. Patienter, être constant, comme le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit. Approchez-vous de la perfection et restez constant. Et sachez que personne d'entre vous ne sera sauvé seulement par ses actes. Ils ont dit même pas toi au messager d'Allah. Il a dit même pas moi, sauf si Allah me couvre de sa miséricorde et de sa grâce. Allah Ta'ala a ordonné de patienter dans l'obéissance et de rivaliser de patience et de faire suivre les adorations l'une après l'autre. Et Allah a annoncé la grande nouvelle pour les patients. Certes, seuls les patients recevront leur récompense sans compter. Et les savants ont expliqué sans compter, c'est-à-dire on leur donnera des grandes parties de hasanat sans compter. Sachez, serviteurs d'Allah, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les meilleurs des gens sont ceux de mon siècle, puis ceux qui les ont suivis, puis ceux qui les ont suivis. » Et il a dit aussi sallallahu alayhi wa sallam « Il n'y a pas une époque qui viendra aux gens sans qu'elle ne soit pire que celle qui était avant. » Et ceci jusqu'à que vous rencontriez votre Seigneur. Donc nous avons la certitude que toutes les époques après les meilleurs siècles sont pires que les premiers siècles. Bien sûr, il peut y avoir des variantes, certains moments mieux que d'autres, mais en général, cela ne fait que s'empirer jusqu'à la fin des temps. Car les gens s'éloignent de plus en plus du message et de la pratique de l'islam correct. Alors, si tu veux être sauvé, si tu veux être dans ce groupe qu'Allah a choisi pour être les étrangers, pour être les gens, comme il est venu dans une version authentique, qui corrige, rétablisse ce que les gens ont corrompu de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu veux être parmi ces gens-là, le seul moyen est de s'attacher à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à la voie des pieux prédécesseurs. Ceux qu'Allah a agréés, ceux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les louanges. Et ceux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'était le groupe sauvé, le seul groupe sauvé. Ceux qui seront sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons qui ont vécu la révélation avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui nous ont transmis cette religion. Sachez aussi, mes frères en Allah, Allah Ta'ala nous a annoncé la bonne nouvelle. Que quoi qu'il en soit, le parti d'Allah sera le vainqueur. Et que l'armée d'Allah sera la plus forte. Et que l'aide d'Allah, elle est avec les croyants. Et Allah, il ne donnera jamais une voie d'accès aux mécréants contre les bons croyants. Et sachez aussi que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a annoncé la bonne nouvelle. Que cette religion allait entrer dans toutes les maisons. Les maisons de campagne, les maisons de ville, en élevant et en honorant ceux qui vont accepter l'islam et en rabaissant ceux qui vont contredire ce message. Alors, il est le moment de choisir son chemin, de choisir son camp. Est-ce qu'on veut faire partie des gagnants, de ceux qui veulent être ce petit nombre de gens pieux dans un grand nombre de gens pervertis? Ou bien, est-ce qu'on veut suivre la masse comme des moutons et aller avec eux en enfer? نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا جميعا على نهج الاستقامة وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وقل رب زدني علما